Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, alors, pour vous faire un haul, donc je viens d'aller à Apple, je rentre. J'ai fait des achats. Alors, je vais vous présenter tout ça. Donc, je vais vous dire un peu tous les articles et tout ça. Et du coup, on commence tout de suite. Donc, on va commencer par ça. Donc, c'est des friandises à la noix de coco. Elles m'ont coûté 5 euros. Et j'ai jamais eu l'occasion de faire goûter de la noix de coco à Valbala. Du coup, c'est une première. Et du coup, je suis super contente parce que ça sent juste une tuerie. Alors, c'est des friandises comme ça. Et vous voyez, c'est la noix de coco. Et ça sent juste trop bon. Et c'est des hypotoniques. Donc, de la marque hypotonique. Et du coup, bah voilà. Ensuite, bah, comme j'ai été à Pâtes, je vais acheter du liquide. Alors, je vais vous dire les différents parfums qu'il y a dans ce liquide. Donc il y a, donc c'est des petits liquides, hein. Il y a pomme, il y en a deux à la pomme, c'est quoi ça, carotte, pomme, banane et cerise, parce que voilà. Du coup voilà, donc Valbala va se régaler comme d'hab avec les liquides, ça va très vite. Et je les ai payés, ça je sais absolument pas. Du tout, 20,70€. Ensuite, je me suis acheté des étrivières parce que c'est le truc pourquoi j'étais à Pâtes à la base. Donc, j'ai pris des tailles enfants parce que les tailles adultes elles étaient trop grandes. Donc, je les ai payées 7,50€. C'est des Norton et elles sont noires basiques. J'ai pris les moins chères parce que je vais pas monter beaucoup. Enfin, voilà, avec une selle, du coup, j'ai pris les moins chères. Et du coup, voilà. Ensuite j'ai acheté un licol éthologique de la marque je ne sais pas quoi. Il a coûté 5,90€, il est tout petit, c'est un rikiki licol éthologique. J'ai pris bleu roi parce que bah j'avais pas d'autres couleurs et puis voilà. Du coup j'ai pris du bleu roi et il est juste magnifique, je le trouve sublime. Et sur Falbala ça va ressortir et tout ça en plus. Du coup voilà un petit licol que j'ai payé, je vous l'ai dit, le prix 5,90€. Avec ce licol j'ai pris la longe 9,99€, donc la longe est plus chère que le licol. La longe elle est assez grande, elle me paraît immense. Donc alors je n'ai pas regardé, en fait c'est pas la même couleur mais c'est pas grave, à la caméra vous le voyez pas bien, voilà le bleu et voilà le bleu, vous voyez. Bon c'est pas très grave, c'est pas non plus très important. Du coup voilà. C'est pas non plus très important parce que c'est pas grave quoi. Donc du coup voilà. Ensuite je me suis acheté des chaussettes. Donc des chaussettes Equitem. Donc excusez-moi, c'était ma soeur. Donc des chaussettes Equitem. Ils m'ont coûté 10,50€ et elles sont juste mais une beauté. Je ne sais pas comment vous les décrire tellement elles sont belles. Elles sont magnifiques. Du coup voilà, je suis super fan. Donc c'est des Equitem. Du coup voilà. Ensuite j'ai pris des bandes blanches, mais je n'ai pas de licol blanc. Pourquoi des bandes blanches? Ah ah. Donc tout simplement parce que je voulais des bandes blanches et il me faut un licol blanc. Donc faut que je trouve, faut chercher pour trouver un licol blanc parce que ça se trouve pas comme ça. Un licol blanc, moi j'ai du mal à en trouver perso. Donc si vous savez des sites où on peut trouver un licol blanc t'achètes, dites-le moi dans les commentaires. Sinon je les ai pris, donc elles m'ont coûté 13,90€. Donc c'est les Jumpec, hein, les bandes que je prends tout le temps. Donc j'ai déjà les vertes, les roses, j'ai les blanches et bientôt ma couleur que vous verrez dans la suite du haul. Du coup voilà, elles sont comme ça. Ensuite je me suis acheté. Donc faut savoir que moi je associe, donc normalement l'ensemble quand on monte à cheval souvent c'est tapis et bande ou tapis et bonnet. Moi non, c'est licol et bande. Mais comme ma couleur préférée est le rouge, j'ai le licol rouge, les bandes rouges que je vous montrerai après et le tapis rouge. Il me manque tout le bonnet et j'aurai l'ensemble complet. Donc il est juste trop beau. Donc c'est à Equitem, il m'a coûté 22,90€. Il est sublime, j'en suis fan. À la base je voulais un paddock mais il n'y avait plus la taille de Falbala parce que Falbala est toute petite et du coup il n'y a pas sa taille. Il est comme ça et j'en suis juste fan, j'en suis amoureuse.
L'intérieur, il est bon, rouge aussi. Et les coutures, on a une petite couture noire tressée et gris ici. Et il est trop rouge, j'en suis fan. Et les deux côtés sont un scratch. Et ensuite, pour terminer, j'ai acheté des bandes de polo rouges. Donc ça me fait 4 paires de bandes. Ils s'associent tous avec un licol. Sauf les blanches et les vertes, mais j'achèterai des licoles, un licol blanc et un licol vert. Après, il manque encore plein de couleurs, mais j'y vais petit à petit et elles sont aussi sublimes et elles vont juste trop bien ensemble. C'est un truc de fou. Falbala va être magnifique et classée et tout. Du coup, voilà. Et ils m'ont coûté aussi 13,90€. C'est aussi des tailles poney. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Ça, c'est bon. Ouais. Du coup, voilà, je suis super contente de ce que j'ai acheté. Franchement, là, j'ai tout. J'ai plus besoin de rien en équitation. Ah, c'est un sulky, une calèche. Bref, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et ciao ciao !